Astronomy, c'est un ensemble qui existe maintenant depuis plus de 12 ans, qui est créé autour, disons, d'un noyau de chanteurs, assez international en fait, à l'image presque de la Belgique, en tout cas de Bruxelles, qui est une ville assez cosmopolite, et qui avait dès le départ en fait quelques instruments qui gravitaient autour, notamment deux violons, et qui, pour cet enregistrement, en fait, a une équipe d'instrumentistes égale au nombre de chanteurs pour montrer en fait un autre côté du travail de Vox Luminis. Il m'a fallu choisir une équipe adéquate pour ce projet. La première chose que je voulais, c'était enregistrer avec un grand orgue. C'était ce que Bach avait à sa disposition, mais aussi tous les compositeurs à cette époque-là. Et le fait d'avoir un grand orgue permet d'obtenir une balance, en tout cas un son plus proche peut-être, c'est pas de la vérité, mais en tout cas de quelque chose qu'on a pu entendre à l'époque. Je tenais vraiment beaucoup à enregistrer la cantate numéro 12, c'était pour l'entendre avec la trompette à coulisses. À l'origine, c'était une trompette et j'avais envie d'entendre ça. Ce sont des cantates avec hautbois également, qui est pour moi un instrument peut-être où le génie de Bach s'exprime le mieux. Les chanteurs qui sont habitués avec Vox Luminis à chanter du répertoire allemand, des hommes plus de motets. J'ai demandé à Reinhard von Mechelen de venir pour chanter les airs de ténor, qui pour moi sont des airs pour ténor aigu. Ce qu'il est, ténor aigu, sont parfaits et j'avais envie, moi, de l'entendre dans de la musique allemande alors qu'on l'entend beaucoup dans la musique française. De jeunesse de Bach, notamment celle qu'il a écrite à Mühlhausen, sont dans la tradition de Buxtehude, de Pachelbel, qui sont un mouvement comme ça, qui ne s'arrête pas. Et donc, je trouvais que c'était celle-là dans lesquelles on est les plus à l'aise, et j'avais envie aussi de mettre une cantate qui ouvrait vers le style vraiment à Leipzig de Bach. C'est la cantate numéro 12, Weinen, Klagen, Sorgen, une des premières cantates qu'il a écrites à Weimar, où là, on voit l'arrivée du récit et de l'air, qui sont des numéros pas détachés, mais disons qui s'enchaînent avec un silence entre. Et ça me paraissait intéressant de montrer cette transition chez Bach, et j'espère que ça intéressera les gens qui l'écouteront.